l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu du service au tennis, donc plus particulièrement à l'initiation. Ok, donc je vais vous donner un petit peu les points clés pour faire un bon service au tennis. Donc la première chose, c'est notre position de départ. Donc je vais vous montrer, on va se mettre au niveau de la ligne ici. Première chose, bien positionner ses pieds à 1h15. D'accord ? Donc là c'est la petite aiguille, ça c'est la grande aiguille, 1h15. Ensuite, ce qu'on appelle la position de départ, j'ai ma raquette qui va se mettre en direction du carré de service là-bas. Une fois que je suis là, j'ai la bonne position. Il faut que je sois relâché. Ça ne sert à rien d'être tendu, je suis très relâché. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la montée simultanée des deux bras. Alors, Axel, je veux bien une balle. Merci mon grand. Je vais monter les deux bras. Ça va être la difficulté du joueur à l'initiation. Ça va être d'avoir un bon lancer de balle, globalement au-dessus de la tête et à droite. Ok ? Donc la montée simultanée des deux bras. Ensuite, une fois que j'ai monté les deux bras, je vais me retrouver dans la position armée. Ok ? Une fois que je suis dans cette position armée, il va falloir que j'ai une flexion de l'avant-bras sur le biceps pour ensuite avoir une projection du coude vers le haut et enfin frapper. Et là, j'ai ma fin de geste. Ok ? Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, je suis relâché. Le rythme du service aussi, c'est lent. J'accélère. Ok ? Ça marche ? Axel, une deuxième balle. Merci mon grand. Même chose. Donc là, au départ, je suis lent. Et l'important aussi, c'est d'être bien stable sur ses appuis. Lent. J'accélère. Bon, ben merci beaucoup. Ben merci, c'était très sympa. J'espère que vous aurez appris des choses, puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ça roule.